Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite du Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Alors, je suis allé un tout petit peu plus loin, rien de bien méchant, une petite demi-heure de jeu en fait, il s'était pas passé grand chose. Et là, en fait, je suis allé à la garnison des Nilgardiens, rencontrer le commandant qui m'a raconté qu'il savait où était Yennefer, mais c'était un secret militaire. Il veut bien me révéler ce qui se passe si je tue le griffon qui terrorise le village. Et pour ce faire, j'avais besoin d'informations et notamment d'aller interroger un chasseur qui a été exilé du village de Blanchefeur parce qu'il avait une relation homosexuelle avec un des gars du coin. Passons, il y a quand même pas mal de préjugés dans ce monde. Enfin, c'est pas mal, c'est assez réaliste. Moi, ça me dérange pas plus que ça, même si je suis pas du tout homophobe. Bref, on se perd un tout petit peu. Et ce chasseur, en fait, m'a montré où ont été massacrés des soldats Nilfgaardiens. Donc, probablement ce qui motive le brave commandant à ce qu'on explose ce griffon. Et puis là, bah, j'ai récolté quelques informations, en gros, sur comment ils ont été butés. Et puis, voilà, pardon, je me suis trompé de touche. Et puis, il y a des traces ici que je suis censé suivre. Et que je sais pas où elles me mènent, là, parce que ça s'arrête ici et là. En tout cas, là, pour la suite, je dois aller interroger un herboriste au sujet du nerprin, qui est une herbe, en fait, qui va me permettre d'attirer le griffon. Une sorte de valériane à griffon, si vous voyez ce que je veux dire. Juste appeler le canasson, et puis... on va aller voir l'herboriste qui est à 238 mètres comme c'est indiqué sur la minimap, j'ai remarqué ça tout à l'heure. Et puis une autre chose, c'est que bah, j'ai pu passer de niveau. Je suis niveau 2 maintenant. Et donc au niveau de mes quêtes, j'ai cette quête que j'ai chopée au niveau du tableau qui est au centre du village de Blanchefleur. Et il me propose en fait de... attendez, je me trompe, voilà, c'est là le contrat, niveau 2 conseiller. On peut aussi de se la faire d'ailleurs maintenant tout de suite. Hein. Quête secondaire, se faire un petit peu d'XP comme ça. Je voulais pas la faire tant que j'étais pas niveau 2, ce qui est le cas maintenant. Ah, oups, là, faut tourner à gauche. Et puis oui, je me suis aussi amusé à buter 2-3 chiens sauvages qui traînaient par là avec le chasseur. Donc là, on est plus qu'à 60 pas. Allez, cocotte, on y va. Merde, j'ai un petit peu de peine avec la manette. Hein. Ah bah voilà, on est arrivé. Non, non, on se calme tout de suite. Là, on descend. Il est 3h15 du mat. Bon, on va rentrer. Salut tout le monde. Donc ça, c'est pour la quête démon près du puits. Bonjour l'ami, vous avez un problème avec votre puits, paraît. Oui, c'est un puits hanté depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière, mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle a la chiasse. Ses tripes jour et nuit. Ah ouais. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau. De l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieux à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Ouais, à quoi ça ressemble? Écrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. Ouais. Moi j'ai envie d'être gentil quand même, c'est plus fort que moi dans ces jeux-là. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas. Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie. Allons-y. Trois trucs à prendre par là, d'ailleurs. Juste checker. La vodka, de la bière. Ah, je
peux prendre, ça dérange personne. Je suis pas si gentil que ça finalement. Bon, allez, il pionce. Voilà, la sortie c'est là. Ah bah c'est déjà le matin. Putain, 4h-10 et puis il y a déjà le soleil. Bon, d'accord, ok. Ah, mais il est là-bas. Je vois l'icône. Ah, il peut. Hop là. On peut faire un joli petit saut. Yeah. Alors, au galop. Par là. Je peux pas. Non. Tant pis. Oh, Hamlet. Allez, au galop. C'est à 200 pas. Pas shooter les gens non plus. C'est du nerf, Hamlet. Est-ce que je peux récolter des trucs depuis mon cheval? Ah, je suis obligé de descendre. Voilà. La Kélidoine pour l'artisanat. C'est parti. Allez hop, on avance. Village abandonné, ok. Voilà le fameux puits. Moins vite, je ne vois aucun signe du fantôme. Peut-être qu'il ne se montre qu'à une certaine heure du jour. Ou de la nuit. Alors. C'est quoi, champi? On chope. L'herbe autour du puits est brûlée. Ok. L'herbe autour oui, du puits. Ça, ça j'ai déjà vu, très bien. Là aussi, il va me dire que l'herbe, l'herbe est autour du oui, puits. Oui, d'accord. Je paye des champis au passage. Et puis là-dedans. Bon, on achète tout, hein. On s'en fout. Hippomouton, plateau, voilà. La fiole. Ah mince, je suis allé trouver du suif, je crois que c'était. Une bouteille vide, ok. Autrement, il n'y a rien d'autre là. Bon bah on va examiner chacune de ces maisons. C'est dans le cercle. Rien. En graisse d'ours, peau de cerf. Bon, il faudra que je me penche un peu sur cette alchimie, voir ce qu'on peut crafter. Il y a des... Par exemple, j'ai remarqué, on va juste montrer ça, c'était, où est-ce que c'était? Dans le glossaire. Non, moi ce que j'aimerais vous montrer, c'est le bestiaire, voilà. Voilà, j'ai affronté des chiens et des loups, c'est écrit qu'ils sont vulnérables à l'huile, comment ça s'appelle? L'huile contre les bêtes, alors ça je pourrais y en crafter peut-être, créature hybride, là il y a le griffon que je vais devoir aller affronter, et lui il est... Vulnérable aux bombes, ruche, je sais pas trop ce que c'est, l'huile contre les hybrides. Et puis les pouvoirs, le signe hard, qui est je crois le pouvoir télékinétique, si je dis pas trop de conneries. Nécrophage, les ghouls sont sensibles aux huiles contre les nécrophages, ça se passe de commentaires. Donc on verra avec ces fioles, etc. comment je peux faire ça. Je crois que c'est auprès du forgeron qu'on peut faire de l'artisanat. Enfin, peut-être pas au niveau des fioles d'ailleurs. D'ailleurs, on doit vérifier un petit peu ce qui se passe là-dedans. Que dalle. Oui, j'avais lu aussi que pour certaines quêtes, bah, les apparitions arrivaient à certaines heures de la journée ou de la nuit. Alors, un fantôme, ça fait plutôt la nuit, quoi. L'argent pur, objet rare. On chope tout ça.
Ah, là, il y a un truc rouge, c'est pour la quête. Ça veut dire qu'on peut choper un râteau brisé, d'accord. Bon. Un journal jauni. On prend. Le journal, ça pourrait servir. Bon. Voilà. Non, c'était rien. Bon. Je me demande s'il faut pas que je revienne à un autre moment, quoi. Je peux pas aller dans le puits par hasard. Si je saute dedans, je vais encore me buter. Ah, j'ai la manette qui a vibré quand je suis passé par là. Est-ce que le jeu veut me dire... Ah oui, ah Le voilà. corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Ah, voilà, donc faut passer à midi. Ah, un truc pour passer le temps. On peut méditer. Alors je sais pas si ça fait récupérer. J'ai même pas vérifié. C'est de la vie ou de l'endurance probablement. Méditer jusqu'à midi. Alors go. Un spectre de midi. Je me demande ce qu'il fait ici. Il ne m'attaque pas. C'est étrange. Bon. Qu'est-ce que je dois lui faire? Je me suis trop approché. Voilà. Ah oui, avec les épées, je risque pas de lui faire grand-chose. Si, tu fais mal ou pas? Est-ce qu'il faut que je prenne... Hein, j'arrive pas à faire des pouvoirs télékinétiques. On va juste mettre pause. Et puis voir... Là, je commence à prendre... le bestiaire. Spectre, ah bah voilà. Ah donc le signe Irden. Donc, il faut que je sélectionne ça. Je l'ai pas sélectionné. Merde, excusez-moi. Irden déploie un piège magique. Ah bah oui, ça fait du mal. Elle s'est enfuie, mais elle reviendra demain. Quelque chose la retient ici. Ah oui, en plus c'est écrit lisez l'entrée concernant les spectres de midi dans le bestiaire. Mais là pour cette quête, il se passe quoi? C'est le contrat. Lisez l'entrée concernant le... Oui, bah... Ah bah peut-être que je dois le faire maintenant. Bestiaire, bestiaire, bestiaire. En le lisant avant, j'ai foiré le truc. Non, non, il y a le petit signe qui est là qui a disparu. Quelque chose rattache le spectre de midi à ce lieu. Ouais. Un objet. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré. Je veux bien. Et puis comment je le découvre? On va où? Le journal que j'ai trouvé dans la Ah. cabane abandonnée pourrait bien détenir la clé du mystère. Je dois aller ici. Oh, il y a des choses à ramasser. On va vite choper au passage. De l'eau. Parfait. D'ailleurs, j'ai mangé un peu du foie de loup. Donc, j'avais looté ça sur les loups que j'ai buté tout à l'heure. Ah, ça remonte bien, deux foie de loup. Alors, ici. Qu'est-ce que je dois faire? Mais est-ce que c'est le journal alors? Mais. Est-ce que je peux l'utiliser d'une manière ou d'une autre? Ça donne... Voilà. Alors, ça y est, Valkar a intenté un procès contre le comte auprès de la cour de Vizima. C'est le premier jour de liberté, d'accord. Et qu'est-ce que je fais alors avec ça maintenant? Ce bracelet relie peut-être l'esprit de la femme à cet endroit. Bah visiblement il parlait d'un bracelet, je suis allé trop vite.
Est-ce que... Ah, là, il y a quelque chose. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Bon, c'est pas... Les nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Mais ce n'est pas le sien. Ah, d'accord, bon, on va suivre les traces. Je sais pas, il y a des histoires dans les histoires des histoires. Voilà, j'ai suivi les traces, mais ça s'arrête là. Bon, on va visiter. Encore là, il y a des choses à prendre. Ah oui, il y a des choses à prendre. On prend tout ce bordel. Bon, laissez-moi sortir. Voilà. Ah, il y a encore quelque chose à faire dans l'autre cabane. Il y a toujours un cercle. Bon. Oui, je passe comment là? D'accord, la bourrine, non? Comment je fais pour passer? On peut pas s'accroupir. Ça c'est sauter, d'accord. Ah bah bon, voilà. Il fallait juste faire ça. On prend. Je peux pas avancer là-bas. Allez, hop, vas-y. Tout ça pour une pipe. Il y a une bonne grosse pipe, hein. Alors... Allez, saute, vas-y. Bon. Ça a disparu. Il reste encore un truc à faire ici, là. Ah, ça a vibré encore, ça veut dire que... Ah, moi je dois examiner. C'était ça le gag. Des empreintes de mains ensanglantées. Celles d'une femme. Quelque chose l'a tiré à l'extérieur. Elle était blessée. Elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits. Alors, on va examiner tout ça. Quoi ça, voilà. On va l'examiner là-bas, il y a un truc rouge. Des taches de sang à moitié effacées. La corde est tendue. Quelque chose cloche. Un cadavre pendu à la corde du seau. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. Large hanche, petite mâchoire. Une femme. La trentaine d'après ses dents. Plus de bras gauche. C'est les experts, quoi. Je dois incinérer ses restes. Mais avant toute chose, il convient de trouver l'objet qui la lie à ce lieu. Portait-elle le bracelet de son mari? Ça expliquerait la chute de son bras. Ouais, faut trouver le bras, quoi. Il va falloir sauter à l'intérieur. Ah bah voilà. Espérons que je ne me rompe pas le cou. C'est bien ce qui me semble. Bah on y va, allez go. Je crois... Bon, c'était fantastique. Bon, je croyais que c'était prévu pour. Oh putain le bourrin quoi. Mais attendez, je dois retourner là-bas. Je dois tout me retaper, les gars. Vous vous rendez compte? Ah là là. Bon. Je vais pas vous infliger ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Bah, j'aurais appris quelque chose. Il faudra que je fasse un tout petit peu plus attention la prochaine fois que je dois sauter dans un puits. Ça fera un épisode plutôt court.
une petite vingtaine de minutes. Je vais juste, je reprendrai l'épisode dès que je serai au même point que la dernière fois. Et j'espère que je pourrai aller jusqu'à aller buter ce griffon. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ce fut court mais bref, comme on dit. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, etc. C'était DR46 sur Witcher 3 Wild Hunt. À très bientôt. Ciao!